Et salut tout le monde, c'est Toxor, amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, écoutez, on se retrouve pour le deuxième épisode de Walking Dead, numéro 3 bien sûr, avec toujours notre ami Nick, avec cette magnifique faux qui d'ailleurs va bientôt mourir, hein, bientôt plus beaucoup de vie. Il faudra qu'on change d'arme. Désolé mon chou, ce sera pas réparé avant un bout de temps. D'accord, c'est pas grave. Est-ce que je peux prendre ça? Ça m'intéressera. Ça m'intéresse, ça. Je peux pas monter là-dessus? C'est un truc de ouf. Le véhicule. Est-ce que je peux le prendre? Non, sans réparation, j'ai l'impression. C'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait un plan juste ici. Bon, voilà, s'en servir du plan. Plan d'armes. Diable à ressort. Ouais, ça m'a pas l'air d'être super démentiel, hein, le diable à ressort. Un lampe torche, j'ai de la merde. Hop, posé. Casque de soudeur. Oh, ça peut être terrible, le casque de soudeur. Et C'est voilà. bien. Hop. Allez, c'est quoi? Bottes de travail. Tiens, je vais même mettre des bottes de travail. Ça peut le faire, les bottes de travail. Hop, j'ai changé. Bottes de travail. Hop, mêlée. Voilà. Donc, ça qui est bien, on peut vraiment modifier pas mal de choses dans le jeu. On a également donc cette partie-là qu'on n'a pas vue dans la vidéo précédente. Donc avec les différents plans. La carte, bien évidemment, de la ville. Je sais pas si elle est complète d'ailleurs, la carte de la ville. Je pense pas qu'elle soit. Ah si, ah si si. Ouais, il y a quand même du terrain, hein, à visiter. Je pense qu'on va bien s'amuser. Joueur. Donc là, c'est voilà les points de compétences qu'on peut dépenser. Parce que c'est un peu nouveau. Ça n'était pas trop dans l'autre. Ça n'était pas du tout même. Là, on peut attribuer des points de compétences différents. On n'est plus limité à avoir certains points qui nous sont donnés de façon systématique à chaque fois. Donc il y a toujours les mêmes trucs. Hein, toujours le même. Par contre, c'est vrai que ça n'a pas changé ça au niveau des combats au corps à corps. Ça, c'est des épreuves, c'est pas mal également. Donc les attributs, qu'est-ce que c'est? Catégorie de roues, petit 4 roues. On peut donner là-dedans. Catégorie de combo, d'accord. On va peut-être mettre un peu plus dans la vie. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est toujours assez important la vie. Hein. J'ai récupéré un petit cube de vie d'ailleurs. Voilà. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'on peut faire ailleurs. Est-ce qu'on peut parler à lui? Des saletés d'infectés ont dû se transformer. Tu peux me croire? On n'en sait rien là. C'est trop tôt pour le dire. Ok, j'ai pris une tour de PC, je vais la balancer. Oh là là! Ok. Ah, appel entrant. Nick, il y a une belle petite illégale au motel d'Ingleton. Elle a l'air furax. Ça, c'est une mission secondaire. Donc, sachez qu'on les fera pas toutes, les missions secondaires. Parce que sinon je pense que ça prendra beaucoup de temps. On va surtout avancer dans l'histoire principale. Mais quand on en a, on ira les faire bien évidemment. C'est tout à fait normal. Examiner le motel. Donc on va y aller. On va aller tranquillement au motel. Allez, ouvre ça. Voilà. Enfin, tranquillement. C'est un grand mot parce que on est quand même. On est quand même dans la merde avec le nombre. Le nombre de zombies qu'il y a dans cette carte, c'est un truc de ouf. Planche mécanique. Non, c'est pourri. Je vais garder ma lampe torche. Ça, je vais y changer parce que là, elle va bientôt mourir. Donc on est parti pour le motel. D'ailleurs, le motel, c'est où? C'est une très bonne question. Le motel. Où est-il? Le motel. Il est là. Est-ce que je peux placer... un truc. Explorer pendant que Rhonda est occupée. D'accord, ça c'est normal. Est-ce que je peux placer quelque chose? Non? J'ai pas le droit de placer un petit marqueur sur la carte? Écoutez, j'ai pas l'impression que je puisse. Il me semble que c'est là-bas le motel. On va y aller. Il me semble que c'est comme ça. Voilà. On est parti. Oh là là là, il y a vraiment un paquet de zombies ici là, les amis. Est-ce qu'on peut aller dans le cinéma? Allez. Voilà, il y a tellement de zombies.
C'est un truc de ouf pour se déplacer. Le motel. En plus, elle est par là pour le motel, je pense. Ah, j'ai un point de côté. On va ralentir un peu. Ah, on va se le faire, lui. Voilà. Oh là là. Ah, on se barre. Ah, les points de côté, je pense qu'il faudra qu'on augmente l'endurance, hein. Ça me paraît relativement primordial. C'est quoi, c'est les petits trucs qu'il y a là? Entraînement de survie, d'accord, on s'en fout. Le mot de tête, c'est juste là. Allez, c'est parti, on y va. Faut qu'on monte à l'étage. Allez. Est-ce qu'on peut y péter ça? Non? Quand je peux pas passer là, ça pue du cul là. Si je peux pas passer, les amis, ah, d'accord, ok, c'est bon. Allez, salut toi. Joli graphe, mais t'es au courant qu'il y a une épidémie de zombies, non? Pourquoi tu t'occuperais pas de tes affaires? Laisse-moi tranquille, d'accord? Je plaisante pas. Ok, si tu veux, mais on dirait que t'as cours de peinture. Tu voudrais pas te mettre à l'abri et terminer plus tard? Plus tard, ce sera pas possible si je finis pas ça. Attends. Tu travailles pour qui, hein? T'es une taupe? Quoi? Non, je suis pas une taupe. Qu'est-ce que tu racontes? Et pourquoi c'est si important? C'est pas pour moi, c'est pour les gens comme moi, ceux qui vivent en marge à cause de ces fascistes. D'accord. Je voudrais juste savoir si on peut poser le masque que j'ai sur la gueule au final, parce que je trouve ça relativement horrible. Est-ce que je peux? je suis baisé avec ça. J'essaierai de l'enlever pour le prochain épisode. Les illégaux? Attends, ça veut dire que ce signe indique une planque pas loin, à l'abri des zombies? Me traite pas d'illégal. Oui, c'est pour ça que je dois terminer, mais mes bombes sont complètement à sec. Il m'en faut 3 autres pour finir. De la peinture en spray? Des bombes? Ça marche. Ok, je vais essayer de t'en rapporter 3. Bon, bah on va essayer de lui rapporter ces trucs alors. Ça paraît assez. Si ça peut nous donner des planques, ça peut être pas mal. Je pense qu'on peut partir de ce principe là. C'est quoi ça? Ah, Franck, ça c'était Franck West ça. Donc on va aller voir si on peut trouver. Ouf, si on peut trouver des bombes de peinture. J'ai une à 10 mètres, enfin 100 mètres, pardon. Je pense que si on se déplacerait en véhicule, ça irait quand même beaucoup mieux. Ils ont voulu m'agresser, eux. Attendez, je vais prendre une planche en bois, là. Ça pourrait être pas mal. Hop. Oh, je l'ai pas vu, lui. J'ai pas trop vu la chirurgie. Est-ce qu'on peut ouvrir, ça? Ah, c'est verrouillé. Oh là, il sort de là. Ouh, faut qu'on se barre, là. C'est critique. Est-ce qu'on peut rentrer là? Allez, c'est parti. Si on peut traverser par ici, ça peut être super cool. Ah, la bombe juste là, en plus, elle est. Nickel. Super. Donc au début, ça, c'est genre de petite quête, un petit peu bidon, ramasser des... ça, etc. Des trucs qui sont pas forcément utiles, enfin, qu'on trouverait pas forcément utiles. Mais qui finalement, ben... Ouais, c'est assez primordial. Elle est où la prochaine bombe? Ah là là, vous posez carrément. Ben, super. C'est quoi ça? Une tronçonneuse. Ouh, une tronçonneuse, amis. Ça me dit par contre. Ça me dit bien les tronçonneuses. Ah, ces voitures fonctionnent, j'ai l'impression. Nickel. Eh ben, on ira beaucoup plus en voiture. C'est moi qui vous le dis. Et quand je vous dis un truc, généralement, ça fonctionne. Donc les seules voitures qui fonctionnent, c'est celles qui ont leur... merde. Leur feu de détresse allumé. Ah, il y a un survivant ici, on va essayer d'aller le secourir. Allez, des coups de tronçonneuse, là, c'est parti. Elle veut pas... Pourquoi je peux pas les secourir les... Peut-être faut que je fasse le ménage autour d'eux, je sais pas du tout. On va faire le ménage et on verra si on peut la sauver ou pas.
Oh là là. D'accord, il y avait un zombie qui a chopé la jambe. Super. Les têtes volent, hein, c'est un petit peu... Voilà. Je l'ai sauvé et me remercie comme ça, en se barrant. Ok, c'est cool. J'ai pas besoin de les ramener comme avant. Donc ça, je trouve que c'est un point faible déjà, par contre, dans le jeu. Parce qu'avant, on devait les ramener au camp, si vous voulez. On devait carrément, des fois, les prendre par la main. Donc est-ce que... Il y en a qu'on va devoir sauver comme ça, je sais pas. C'est possible après, hein, je dis ça, mais... Ouais ouais j'arrive, t'inquiète pas, je suis en train d'écraser les zombies. Je sais pas si tu vois là, je suis en train de faire le ménage pour toi. Voilà. J'ai déjà ramassé ma bombe de peinture, si tu m'en veux pas, ça me paraît relativement important. Donc elle se barre comme ça, ok voilà elle se barre comme ça, hein. Et là, ok c'est, ils sont ensemble. Elle est pas. Ils sont pas seuls là à se barrer comme ça finalement. Ah, une statuette. Super. Une perceuse. Allez, je prends la moto. Et je me rends donc au prochain... bombe, à la prochaine bombe de peinture qui est juste là. Oh, je vais les écraser. Allez, c'est parti. Oh, il y en a un paquet, là. C'est pas grave, j'ai une grosse... Ah, j'ai une grosse massue, ça va faire l'affaire. Boum. Ils sont pas très réactifs les zombies pour l'instant. Peut-être parce que il fait pas encore nuit. Si ça fait nuit, si ça fait comme les autres Dead Rising, normalement ils devraient devenir beaucoup plus agressifs la nuit. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Un cerf-volant. Un katana. Ouh, moi je prends. Moi je prends le katana, les amis. Je vous l'avoue, je prends direct. Oh putain! On va le couper en deux. Hop là! Katana, ça rapporte toujours beaucoup de points en plus. Voilà, on a les trois bombes de peinture. Voilà, je les coupe en deux, lui. Oh, on voit carrément les os et tout. Ça, c'est vraiment très bien fait, par contre. Ils ont vraiment amélioré en... tout ce qui était dégâts sur les zombies, par contre. Ça, c'est vrai. On peut pas leur... on peut pas le renier. On va lui rendre ça, elle, là. Sinon, on va faire un caca nerveux. Ah, la moto c'est pas le mieux, hein. Je pense que si on l'équipe par contre, ouais, ça va commencer à défourailler. Allez, c'est parti. Je pense que si on monte sur le camion, ça va le faire. Impec. Allez, on va lui rendre ça. Et je pense qu'elle va nous récompenser. Génial, t'es cool. Tu peux conduire des temps au endroit où tu vas-y, d'accord? Je respecte ce que vous faites, même si vous vous en prenez plein la tronche. Et ben voilà. Dès qu'il y aura ce signe, en gros, on pourra conduire des gens ici. Si, j'ai bien compris, c'est j'espère ça. Que ça pourra aider quelqu'un. Bon, je vais aller me planquer tant que je suis encore en vie. Et tu devrais faire pareil. Eh, hey, maintenant, tu peux venir avec moi si ça te tente. Ok. Mais va surtout pas te faire de films, parce que les mecs, c'est pas mon truc. Figé ? Ah, d'accord, tu préfères les filles, donc. Eh ben, écoute, tant mieux. Ouvrir. Voilà, soyons bien à vous. Appel entrant. Ah, ça c'est mission psychopathe, ça. C'est bien ce que je me disais. On va déjà se rééquiper, si vous voulez, mon avis. Pourquoi pas se faire un petit psychopathe, on a le temps. Prendre le plan. Arme d'Ast. Ah, ça peut être sympathique, ça, l'arme d'Ast, même. On pourrait se faire le... le vilain petit... Attendez, comment on fait pour... Qu'est-ce qu'il faut avec l'arme d'Ast? On va regarder ça tout de suite, le plan. Arme d'Ast, donc il faut... une lance et... porte-manteau. Est-ce qu'il y aura des porte-manteaux par ici? Penderie, peut-être dans la penderie. Ah non, c'est même mieux parce qu'on peut carrément se rhabiller ici.
À poil même, carrément. Avec une tête de cheval. Pourquoi pas. C'est pas fantastique. Super. On va mettre les lunettes. C'est stylé. Les grosses bottes. Joli. Et voilà. Et beau gosse, hein. Et beau gosse, là. Il faudrait un porte-manteau, si possible. Shampoing. Je pense pas que j'en ai besoin. Porte-manteau, il y en a un là. Nickel. Hop. Et on va faire le combo. Et voilà, l'arme d'Ast. C'est bon. Tiens. Ma bande. Cadeau. Et nous, on va donc aller examiner le fou qui se situe. Carte. Où est-ce qu'il est le fou? Juste là. Bon, on va y aller. Suis-moi. C'est d'accord. Allez, viens. C'est parti, mon kiki. Peut-être que je récupère de la bouffe, mon passage. Ça serait pas mal. Voilà, bah, justement, des bananes. Quoi, s'il faut que je me soigne en urgence. Allez. Non, j'ai pas de rendez-vous, mais si on pouvait se dépêcher, ça peut être pas mal aussi, hein. Un peu lente, hein. Quand même pas que je vais marcher tout le long, quoi. Donc je sais que tout ce qui est psychopathe, etc., ils craignent vachement les armes que l'on crée. C'est pour ça qu'il faut justement les créer, les armes. Allez, viens, dépêche. Bouge tes fesses, ma petite, hein. On est pas là pour beurrer les sandwichs, non. Oh là là, c'est vrai qu'il y a du monde ici. Hein. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, Anna. On se grouille. On y va. J'aurais peut-être dû prendre une voiture, mais bon. Je n'ai pas trouvé au passage. On va juste aller faire le moine, voir s'il est possible à faire ou pas. Donc, premier psychopathe de la partie, les amis. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je le suis. Allez, c'est parti. Ah, attendez, il y a un katana à ramasser, là. Ce sera peut-être toujours mieux que ma hache, le katana. Dégage. Elle me gêne. Ouvrez. Entre, petit scarabée. Viens trouver paix dans paisibles jardins. C'est pas vrai. Des zombies sont entrés, vous allez bien? Douce colère parcourt nos veines. L'univers annonce à nous qui sera prochaine cible. Bon, c'est pas parce que vous parlez bizarrement que ça veut forcément dire quelque chose. Esprit de l'univers, as-tu bonheur à moi? Alors, moi aussi devoir tuer. Quiconque ose perturber paisible jardin doit mourir! Bon sang, vous avez fait ça? Ces gens voulaient se mettre à l'abri, pourquoi vous les avez tués? Vous devez mourir! Comme les autres! Italia maintenant! C'est là! Ouais, ça va être chaud, mon avis, hein. Oh là là, ça va être chaud. Oh, ça va être chaud time, ouais. Faut qu'elle m'aide, là. Ah, j'ai touché un petit peu. Allez. Oh là là, je fais... Oh, il faut que je mange un coup, là, par contre. Petite banane, peut-être. Voilà. Hop, je reprends vite mon arme. Oh là les meufs, ah, il fait assez mal quand même ce psychopathe là. C'est un moine Shaolin. Hein. Donc il a disparu, il a fait une feinte.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a pété un plomb, lui. Allez, pendant qu'il attaque, faut que j'attaque un petit peu, en fait. C'est un petit peu... C'est dommage de dire ça, mais... Elle me sert, grosso modo, de... De bouclier. Elle prend l'aggro. Ah, on va la voir. Normalement, on va la voir, les amis. Rassurez-vous. Voilà. On devrait la voir maintenant. Et voilà. Impeccable. On l'a tué. Pourquoi m'as-tu abandonné? Je me fais virer. Ma femme me quitte pour un pauvre type qui vend des frigos. Mes enfants sont tous devenus des sales gosses sans respect. Maintenant ça, une putain d'épidémie de zombies. C'est une blague. Va te faire foutre, sale ordure. Non! Bordel! Bon, c'était raffiné, on va dire, comme suicide. Encore un niveau? Petite décapitation, hein, ça passe toujours crème, j'ai envie de vous dire, presque. Je sais pas trop ce que c'est, ces combos là, qu'on peut acheter. J'ai bien envie d'en prendre un. Pour voir ce que ça donne. Utiliser des véhicules pour construire, c'est... Ah d'accord, ok. Je pense que c'est pour tout simplement construire. Si je m'achetais peut-être déjà un point de vie. Et deux points d'inventaire, ça serait pas mal. Voilà. Ensuite, astuce. Un homme heureux. Chaque PP compte. Maintenant, vous pouvez trouver des objets et les collecter. Ouais, pourquoi pas. On va mettre un point là-dedans. Puis, je vais voir si je peux pas acheter peut-être un point là-dedans. Ça peut être sympathique. Peut-être pour... ouais, les haches, par exemple, peut être sympathique. Ou les lames. Peut-être plus les lames, tiens. Voilà. Acheter. Je sais pas ce que j'ai acheté, hein. Peut-être pour que je peux acheter. Ouais, peut-être que je peux construire dans ces 10 armes là, je sais pas. Et ben c'est super en tout cas. J'ai encore 7 points à dépenser, il rigole ou quoi? Ah non, j'ai eu peur. Je suis niveau 7. Donc on va ramasser la clé déjà. Et son arme qui a l'air pas si mal que ça finalement. Hop, voilà. Il y a un katana juste ici. Moi, la vie, je m'en fous, je suis à fond. Oh, il y avait un fusil à pompe juste là. On peut rentrer, je pense, maintenant. Ouvrir. Je sais pas si on pouvait rentrer avant. En tout cas, il y a une statuette. Voilà. Katana. On va bientôt retourner donc au garage, hein, rassurez-vous. Pour ceux qui s'empresseraient de voir... Ah! Y'a sûrement un survivant à sauver là-bas. En fait, c'est des survivants bloqués, il faut juste les aider et puis voilà, ils partent après. D'accord, ok, donc c'est plutôt sympathique. Enfin, je vais juste prendre ça par contre, éviter de gaspiller mes balles. Mais oups. Éviter de gaspiller peut-être bêtement l'arme d'as qui a l'air assez puissante. Hein. C'est une arme de boss, donc forcément, c'est une arme qui sera valable contre d'autres boss, je pense. Ah non, elle a plus beaucoup de vie, hein. Ça c'est clair que... Y'a pas de quoi, toujours avec plaisir d'aider les survivants. Hein. J'essaie de trouver de la bouffe pour sauver Anna par contre, c'est vrai qu'elle a peut-être besoin. Tiens, d'ailleurs, hop, tiens, prends ça, cadeau. Donnez. Ok. Pas beaucoup de vie. Oh,
Si j'en retrouve, je t'en redonnerai. Et ouais, elle se shoot à la peinture en fait, j'ai l'impression. Donc là, on est un peu dans le quartier chinois au final hein, de cette zone. Tiens, une ration. C'est bon pour toi. Voilà. Une fin tragique. Peut-être la prendre, je sais jamais ce que c'est finalement les fins tragiques. J'en ai récupéré une tout à l'heure. C'est de la balle. C'est sympa. Prends plutôt le flingue. Je trouve que tu te démarres vraiment très bien avec le pistolet. Un petit truc. Ça, il doit être au-dessus, je pense, la fin tragique. Allez, on se barre à trop là. On se rentre. Allez, Fissa. Ouais, t'es un petit peu lente quand même. J'avoue que j'ai connu plus rapide comme gondesse. T'es déjà là. J'ai rien dit en fait. T'es rapide. Et ouais, hop. Allez. On va voir ce qu'elle veut nous dire. Eh ben non, en fait, on verra la prochaine fois, amis, dans l'épisode numéro 3 de Dead Rising 3. Portez-vous bien, c'est tout, bye bye!